la team YouTube, c'est Nathéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Warframe et on va parler de comment avoir facilement des arcanes en 2024 sur Warframe. Bien évidemment, il y aura des prérequis donc nécessaires pour obtenir ces arcanes-là. Par exemple, en débloquant la route d'acier et en faisant toutes vos quêtes principales du jeu, notamment Mjolnir dans les murs pour avoir accès au Sanctum Atomica et pour avoir accès justement au personnage concerné qui est Lloyd, qui va vous permettre d'obtenir facilement les arcanes. Quand je dis obtenir facilement les arcanes, c'est faire autre chose par exemple qu'un trio Eidolon, justement avoir les arcanes Eidolon, donc j'entends bien par là les arcanes énergétiques, grâce barrière difficilement obtenable en faisant les trio Eidolon en raison de leur taux donc de chance de loot, hein. Donc vous allez voir que c'est facilement obtenable donc dans la méthode que je vais vous montrer par le biais de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, et n'hésitez pas également de passer sur ma chaîne Twitch. Je live en général le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi, donc n'hésitez pas à venir, le lien est dans la description. Également, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord, la Casa del Nato. Là-bas, on va rigoler, on va passer des bons moments, on va faire des vocaux, on va bien sûr faire des giveaways, des fashion frames. Donc les giveaways en tant que créateur de contenu Warframe et Warframe Creator, j'organise souvent des giveaways Discord et également des giveaways sur ma chaîne Twitch. Donc sur ce, je vous dis bon visionnage et profitez bien du farm d'arcane, c'est gratuit. Nous nous retrouvons au vaisseau, donc dans l'orbiteur, et justement on va se diriger vers donc le Sanctum Anatomica. Donc comme je vous ai dit, il va falloir débloquer donc du coup la quête Mjolnir dans les murs, la compléter à 100% et pour justement obtenir l'accès au Sanctum via des mos. Donc on va aller sur des mos et aller au Sanctum Anatomica pour justement parler au PNJ Lloyd, qui va nous permettre justement de d'avoir ces arcanes, ces fameuses arcanes, on va dire gratuitement. En ayant farmé la route d'acier, hein. Donc pourquoi la route d'acier? Parce que pendant la route d'acier, on va justement avoir l'acolyte qui va spawn, et quand l'acolyte va spawn, on va bien évidemment le buter, et quand on va le buter, on va avoir des essences d'acier qui va nous permettre justement d'échanger en échange des essences des items, des couvats par exemple dans la boutique de chez Teshin. Et pour le coup, donc on va avoir aussi une arcane qui sera en objet non identifié, et on va avoir ces arcanes là à la fin de la mission. Et justement ces arcanes vont nous permettre donc en visitant Lloyd, donc en allant sur dissolution des arcanes, d'obtenir facilement des arcanes par exemple de Duviri, des arcanes d'Eidolon, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour le coup, là par exemple sur les arcanes de Duviri, on va voir par exemple sur les arcanes légendaires, potentiellement on peut avoir l'arcane faucheur, l'arcane de précision, l'arcane frisson secondaire. Et sur les arcanes d'Eidolon, on va justement, c'est catégorisé en inhabituel, rare et légendaire. Pareil, là on va avoir les arcanes barrières, les arcanes grasses et les arcanes énergétiques. Pour ce faire, donc comme je vous ai dit, il va falloir buter les acolytes en route d'acier. Et justement, arrivé ici, vous allez voir le tableau de toutes vos arcanes existants dans le jeu. Et moi, ayant farmé par exemple beaucoup d'essence d'acier, par exemple là vous voyez, ça c'est des arcanes que l'acolyte dans implacable secondaire sur élimination partie à la tête en visant, vous augmentez vos dégâts de tir multiple, etc. J'en ai plein, hein, regardez, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arcanes rang max. Donc ça veut dire j'ai 15 arcanes rang 5. Donc là par exemple, je vais par exemple donner 5 arcanes rang 5, juste pour voir, donc dissoudre les 5 arcanes, et ça va me donner une espèce de monnaie appelée les Vosphores. Donc là, c'est écrit en haut. Lloyd utilise des appareils dans le laboratoire d'Albrecht pour réduire les arcanes en Vosphores, une poudre puissante pour les processus d'alchimique. Donc parlez à Lloyd pour échanger les Vosphores contre les arcanes qu'il a stockées dans le laboratoire. Donc là, j'ai obtenu 2260 points. Et avec ces 2260 points, on va se rendre dans là où vous voulez, hein. Vous pouvez faire des arcanes de Solaris, les arcanes de Strong, donc les arcanes de Cetus, les arcanes d'acier, les arcanes donc du Necralis, etc., etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est les arcanes de Lloyd. On va faire un petit peu plus quand même, on va dissoudre un peu plus. On va voir si je peux avoir par exemple un peu plus d'arcanes un autre côté. Par exemple là ici, j'ai encore, bon allez, on va prendre encore 2 impitoyables secondaires. J'en ai encore 49 à maxer. On va prendre peut-être
Les implacables secondaires également. On va prendre aussi les dextérités principales. J'en ai plein. Donc regardez. Hein. Donc là, j'ai plein de R5. Donc là, on va prendre encore 3, 4, 5. Là, ça nous fait 4620 donc, de Vosphore. Donc là, ça va, je vais avoir 6880 en poudre, hein, donc en poussière. Et je vais pouvoir justement avoir 34, du coup, la quantité d'arcane. Donc je vais les donner. Donc ici, donc là, on va avoir un pack, donc un sur 34. Et dans ces packs-là, on va pouvoir justement avoir une chance d'obtenir des arcanes légendaires. Et aussi les arcanes inhabituelles, communs et rares. Donc là, on va avoir donc là, ici, une arcane gardien, une arcane égide, qui peut être pas mal à la revente et pour soi-même. Hein, là, par exemple, on va avoir l'arcane élan, guérison, vengeance. Là, on est sur le quatrième pack. Là, ici, on va avoir l'arcane furie, qui peut être pas mal. On va avoir l'arcane attaque, l'arcane 0 qui est bien pour faire du trio, pour s'immuniser contre les dégâts donc de magnétique. Ici, alors toujours pas d'arcane vengeance ou d'arcane vengeance ou énergie. Alors voilà, arcane grâce. Donc là, on va avoir l'arcane précision ici, ça peut être pas mal. On a une arcane légendaire, encore arcane grâce ici, donc on est à 14 sur 34. Alors, arcane précision, arcane éveil, arcane vengeance, on est à 19. Arcane rage, ça peut être pas mal aussi à la revente. Arcane rage une nouvelle fois. Arcane tempo, arcane 0, arcane précision, arcane égide. C'est des bonnes arcanes hein, qu'on chope, hein, même si c'est pas des arcanes légendaires. C'est quand même des bonnes arcanes. Arcane égide encore. Arcane énergétique, donc au pack 25, on a eu une arcane énergétique, donc ça nous en fait une. Donc arcane guérison, arcane grâce encore, donc 3 arcanes grâce, une arcane énergétique, encore l'arcane grâce, on n'a pas eu de chance sur l'arcane énergétique pour le coup. Arcane barrière, arcane ultimatum, ouais, précision encore. Donc là par exemple, si j'ai envie dissoudre mes arcanes, vous pouvez faire ça à l'infini. Tant que vous avez des arcanes, vous pouvez obtenir facilement, moyennement facilement les arcanes. Donc là, par exemple, je vais encore éliminer des dextérités principales parce que ça, j'en ai vraiment plein. Et comme je joue beaucoup et en ce moment, on fait des level cap, on en tient, on en obtient assez facilement des dextérités secondaires aussi. Je m'en débarrasse parce que ça se vend pas trop. Donc pour le prix que ça coûte, Alors là je refais encore 5000. Donc là pareil, je vais repartir dans les arcanes Edelon et essayer de choper. Bon là j'ai encore eu l'arcane grâce. Donc là on va essayer de choper une arcane énergétique. On va voir si on a de la chance. Agilité, vengeance, arachné. Arcane énergétique, ça nous en fait deux. Du coup avec tout ce qu'on a échangé. Arcane tromperie, arcane grâce. Putain les arcanes grâce j'avoue que c'est pas mal hein. Arcane énergétique, ça nous en fait 3. 14 sur 25. Donc, vous voyez, hein, les arcanes s'obtiennent facilement. Mais il faut jouer énormément en route d'acier. Donc, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois de faire des missions en route d'acier. En plus que vous avez des boosters de chance de ressources et des boosters de chance de mode en faisant les missions en route d'acier. En plus d'avoir des essences en échange avec des chines. Et en plus d'avoir une arcane par acolyte tué. Donc, ça, c'est plutôt rentable. Donc là, voilà. Donc on a terminé en fait les échanges. Hein. Donc là, on a obtenu quelques arcanes grasses, quelques arcanes énergétiques et une arcane barrière. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, j'aurais pas espéré en obtenir autant d'arcanes. Donc là ici, vous voyez, hein, j'ai obtenu encore une arcane énergétique que je peux améliorer. Là, j'ai une rang 2. Donc en faisant, à un moment donné, on aura une rang 5. Hein, donc ça c'est sûr et certain. Par exemple, l'arcane grâce, on va chercher ça ici. Donc là, là j'en ai une ER5 et j'en ai une ER11 que je peux maxer. Donc là, je peux me ramener ça au niveau rang 3. Hein, donc encore quelques arcanes, je peux la maxer et je peux potentiellement la vendre sur le marché. Donc voilà, en tout cas, comme je vous ai dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo pour vous montrer comment obtenir les arcanes assez facilement. On se recap une prochaine fois et je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien et bon farm à vous les ténos.